Bonjour 24S, je suis Charles de Villemorin, j'ai 24 ans, j'habite à Paris et je suis le fondateur et directeur artistique de ma marque éponyme Charles de Villemorin que j'ai créée il y a un peu plus d'un an maintenant. Je dirais liberté, onirisme et poésie. Alors, il y a évidemment énormément de choses que je ne sais pas faire. Après, c'est vrai que le dessin, la photo et la mode, c'est des choses que je trouve extrêmement complémentaires et dans ma méthode de travail, je ne m'imagine pas arriver à l'un sans passer par l'autre. Je dirais défi. C'est le défilé Rochesse, le premier défilé Rochesse à la fin du mois. Et plusieurs belles collaborations, y compris une très belle collaboration avec 24S, qui est une collection capsule très ouverte, qui j'espère va parler à un maximum de gens. Alors cette capsule, assez naturellement, on est parti sur des pièces qui sont plutôt unisexes parce qu'on ne voulait pas forcément les catégoriser pour hommes ou pour femmes. On voulait vraiment faire des pièces qui puissent plaire à tout le monde et qui soient accessibles et portables par n'importe qui. C'était ma première collection de bombers qui étaient des bombers très colorés, assez psychédéliques, avec beaucoup de visages, des fleurs, des cœurs, et j'ai voulu reprendre ces motifs-là pour en faire des pièces plus accessibles. J'aime beaucoup les total look, mais vraiment total look de la tête aux pieds, ou les mix and match vraiment très 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 mix. Donc j'adore les deux et j'aime faire les deux. C'était Isabelle Huppert parce que c'est mon actrice préférée que j'adorerais l'habiller un jour. Un endroit qui est très cher à mes yeux, c'est le Cavalier Bleu, qui est un bar qui est juste en face du musée Pompidou. Parce que je vais souvent dans cet endroit quand il se passe des choses assez importantes et j'ai besoin de me retrouver un peu seul au milieu de la frénésie parisienne. Je vous invite à découvrir ma capsule en collaboration avec 24S. J'espère vraiment que ça va vous plaire. À bientôt.